Oui, Daniel, ce sont 1351, Daniel. Voilà, je suis encore sur la nationale 89. Là, je suis à la hauteur de Artigues. La vache, c'est très compliqué de mon côté là, j'ai pas mal de QRM, c'est pas évident. T'arrives à bien m'entendre, ben t'as de la chance parce que là je suis qu'avec la puissance du poste. L'Alpha Lima il est au QRA, HI 3 coups, il est branché au QRA. Je suis sur la nationale 89 à la hauteur de Artigues. J'arrive, je suis pas très loin de la sortie 26. Putain la vache, c'est compliqué là. Si tu m'entends, passe le canal 32, passe le canal 32 en uniforme Sierra Bravo. Le canal 32 en uniforme Sierra Bravo. Ah, j'ai pas du tout eu Roger de ce que tu m'as dit. Bon, je vais tenter le coup, on verra bien. Attention Daniel, attention Senteur pour Dandy 33 qui t'appelle. Voilà, là je t'entends encore très QRP. Les 73-51, toi, de la part de 14 km 33-01, Dandy 33, voilà, à la hauteur des stations totales. Putain, mais ce chantier qu'il y a ici, on voit que ça fait des années, hachis, on voit que ça fait longtemps que je suis pas venu par là, quoi. Il y a plus de station essence, là, tout est rasé, là, ici. Ok, bah oui, puis en plus de ça, comme quoi l'Alpha Lima, dommage que je ne l'ai pas rebranché dans le push, ça aurait bien donné la main. Comme quoi, il y en a qui critiquent les Alpha Lima, ça je comprends tout à fait, mais quand il y a du QRM comme ça, mais voilà. Bah désolé, j'ai pas rebranché l'Alpha Lima dans le push, du coup je peux pas faire plus. Ok, bon, c'est très QRP, j'ai réussi à attraper là quand même quelques mots. C'est... attends deux secondes, voilà. Ah bah d'accord, voilà, bon, je suis sur la bretelle là, qui passe par-dessus la voie rapide, la Paris-Bordeaux. Voilà, là je file en direction là, du pont d'Aquitaine. Il y a 14 et 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 14
Attends, là, c'était un petit peu compliqué. Oui, je l'ai entendu. J'ai pas eu le temps de comprendre qui c'était. Parce qu'en même temps, là je suis en plein là dans les bouchons. Hein. Donc, changement de voie, sortie de la bretelle d'accès, et tout, qui se croise dans tous les sens. C'est un vrai tricot ici. Hein. Et puis là, je vais pas tarder à être arrêté, coincé dans les bouchons. Ah, il y avait longtemps que j'avais pas connu ça. Quoi. Ça va me changer un peu. Quoi. D'habitude, ça devient monotone. Les routes sont trop tranquilles. Il m'arrive jamais rien sur la route. Là, voilà. Là, enfin, là, ça change de la monotonie. Là, je suis quasiment, je suis presque à l'arrêt. Là. Alors, je suis à quoi ? Je suis à 300 mètres là, de la sortie 3 là, du Vélormont. Sur Roger Bip. Ouais, voilà, là je suis dans le virage là avant d'attaquer la montée du pont. Voilà, j'arrive à la hauteur du château là. Voilà, là je suis actuellement en train de faire là une petite vidéo. Bon, si ça dérange, eh bien, c'est pas grave, hein, ce sera poubelle tout simplement. Alors là, voilà, j'arrive, je commence à attraper maintenant le tablier du pont d'Aquitaine. Voilà, là je suis en plein dessus là. Ça se ressent bien de l'autre côté là, c'est du 50 titres là. 50 titres là. J'arrive bientôt à la station totale de Saint-Germain là. Entre Semédard et Mérignac. Hein. Voilà, j'arrive bientôt là, à ce rond-point là, puisque après moi je vais direction l'autre côté là-bas, direction l'autoroute. Hein. Voilà, donc ça va se dégager là, Rémi, ça devrait passer bien comme il faut. Voilà. Ouais, par contre, il y a une chose que j'ai pas compris, Rémi, c'est que quand tu sais sur les mémoires, le type ne s'enregistre pas, dis donc. Le type ne s'enregistre pas. Alors c'est pour ça que je suis revenu sur les fréquences normales. Voilà. QSL. Mais là, je viens d'arriver en bas du pont d'Aquitaine, à la hauteur de la première sortie. Toi, comme quoi, là, ça roule bien. Oh, moi aussi, hein, j'ai encore trois quarts d'heure devant moi. Hein. De toute façon, à chaque fois, quand j'ai du côté de Mérignac, je pars une heure et demie avant. Parce que bon, on sait jamais. Des fois, j'ai failli me faire surprendre comme ça, même avec en partant une heure et demie avant. De l'autre côté, voilà, donc c'est pour ça,
passage professionnel. Tu arrives au groupe, Gaël, c'est ça si je ne me trompe? Là, je suis en direction, là, je ne sais même plus où je passe ça. L'entreprise. Ok, 100%. Ouais, je sais pas, oui. Donc, ouais, ben Rémi, lui, il s'en vient sur la rive gauche. Moi, je m'en vais sur l'autoroute, hein, là-bas de Toulouse. Hein. Lui, tu vois, il va se rapprocher de moi, en fait. Il va se rapprocher de moi. Ok, ouais, ben là, je suis à la hauteur, j'arrive à la hauteur de la Bordeaux Frette, sortie 5. Voilà, ah, faut sortir les parachutes, hein, ça freine devant. Ah oui, au niveau de Bruges, là, Rémi, là, c'est souvent que ça... Ok, d'accord. Bon ben voilà, là on est presque à l'arrêt. Putain, ça fait une décennie que j'étais pas venu de ce côté-ci, quoi. Putain la vache. Ah, ça me change. Ah, j'aime bien. Ça, j'ai rien contre. Ouais. T'as vu le petit mot là que je te laissais avant de sortir? Alors, j'ai vu le mot que t'as dû laisser hier soir, mais après, moi, sur la route, je regarde pas le téléphone. Hein. Il reste calé dans le fond de la poche. Ah, ok, d'accord. Oui, donc, c'était déjà en route à 6h. Hein, j'ai laissé le message à 6h05. J'ai laissé le message pour te dire qu'il y avait un problème qui est normalement, oui, vous devriez pas de... Je parle sur celle qui m'a dit qu'il revenait aujourd'hui. Puisque moi, je l'ai vu hier, donc il m'a dit qu'il revenait aujourd'hui. Oui, ok, Roger. Je ne savais pas trop de quoi tu parlais. Ok, Roger. Ouais, bon, d'accord, n'en dis pas plus. Ok, d'accord, ça marche. Bon, on verra bien, hein, de toute façon. Et puis après, ce week-end, eh bien, je bosse tout le week-end. En journée aussi, sur le département 24, vers le haut. C'est-à-dire à 35 km au nord-nord-est de Cuera. Ok, oui, tout à fait d'accord. Oui, oui. Ben voilà, ce week-end, c'est beaucoup. Hein. Voilà, ce week-end, c'est beaucoup. Et je fais le dernier tour. Ouais, le dernier tour. Je vais quand même monter sur la filée, là, dernièrement, là. Dernièrement, en prise, là, je l'ai... Ben là, je suis presque à l'arrêt. Hein. Allez, je suis à quoi? Là, au compteur, qu'est-ce que je vois? 1 kilo. Voilà, c'est tout pas plus. Ça fait 10 km/h hein, pour traduire. Hachi. Voilà, c'est. Au moins, tu vois, là, j'ai le temps, là, ce coup-ci, là, de voir le paysage. Contrairement à là où je vais d'habitude.
j'ai un espèce de gloussement de QRM de tout là, de mon côté. Là, je suis à la hauteur de la sortie 7. Là, ça n'a pas été évident. Hein. J'ai compris les nouveaux conducteurs d'aujourd'hui, donc j'imagine que ça ne va pas être triste. Ça doit être du grand n'importe quoi de ton côté. Bon, moi, là, du mien, en tout cas, je risque pas de frôler l'excès de vitesse. C'est... Alors, toi, s'il y en a qui maudissent les bouchons, moi, je préfère en rigoler, ouais. Il y a toujours un bon côté de la connerie. Ah, ouais. Là, ça y est, là, je suis sur la rocade, Rémi, là, je suis là, au niveau de la sortie 12, là, Pellegrin, Saint-Jean-Dillac, là. Enfin, bon, moi, je continue ma route, mais donc, ça y est, moi, je me suis embarqué sur la rocade, à Chibraco. Ouais. Et je m'éloigne, malheureusement, enfin, on est à un moment, de toute façon, toi, tu vas t'en approcher aussi. Tout en que je m'éloigne, toi qui vas te rapprocher. Donc il se peut que je t'entende jusqu'à la sortie. Ouais, que je prenne l'autoroute, je pense que on arrivera à s'entendre jusqu'à l'autoroute. Ouais, pendant que j'y pense, tiens, petite news. À partir du mois prochain, alors pas en début de mois parce que là je serai en vacances, mais après sur les vacations à venir, je vais assez souvent venir du côté de Mérignac. Alors soit en jour, soit en nuit, suivant l'un ou l'autre des sites là où je serai. Bon, j'avais des vacations aussi là vers la fin du mois là du côté de Bigano, Sarcachon là par là-bas. Là j'ai dit non, j'ai là faut stop. Là j'ai dit non, il y a du monde plus près. Quoi. Ah oui, tout à fait, mais c'est lundi, hein. Voilà, c'est lundi puisque j'y suis lundi et mardi. Voilà, j'y suis lundi et mardi. Voilà, mais bon, moi je passe pour les derrière, hein. Ok, ouais, parce que là j'ai pas entendu là. Tiens, du coup avec les QRM augmentant là de mon côté là au QRA, je vais voir là pour me commander là, le QRM éliminateur. Mais il y a une nouvelle version là avec Vox incorporé, enfin Vox PTT incorporé, ce qui fait que t'as plus besoin de faire la bidouille avec la prise micro. Alors j'attends de je suis en train de surveiller là pour sur internet pour essayer d'en avoir un comme ça. Et peut-être que du coup là mon filtre DSP je le rapatrierai dans le push, parce que c'est vrai que là je m'aperçois ce matin c'est j'étais plus habitué, mais c'est pas très propre là sur la fréquence là, tout du moins sur la rocade. Derrière moi. Voilà. Ok, donc voilà. Donc bon, moi, non, ça va, quoi.
Je ne sais rien, et puis ça va, donc ça ne va pas passer, parce que je ne l'ai pas eu, et que je ne loupe pas la sortie peut-être. Et déjà 726, c'est l'habitude, je suis déjà sur l'autoroute. Alors ça monte. Voilà, Rémi. Louper une sortie, tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Ça me rappelle quelqu'un qui une fois, justement, parce qu'il était en train de papoter comme ça, n'a pas loupé une certaine bordure des trottoirs. On n'en dira pas plus, Daniel, hein. Ah, je suis trois coups. Ah, le mot de la parole est moi, j'ai... Ça passe plus de mon côté. Ok, ben bon, je suis à la sortie, sortie Mérignac, Martignas, de ce côté-là, j'ai pas fait gaffe au numéro, je crois que ça doit être la 7, hein, je sais plus, non, ou la 11, oh, je sais plus, hein. Bon, peu importe, je suis à la sortie Martignas, voilà, je suis en train de voir un truc, il n'y a pourtant qu'une seule voie, là, sur cette sortie, eh ben ça fait rien, ils en ont créé une deuxième à côté, là, pour le coup. Oh, j'ai intérêt à me méfier parce que je sens bien que peut-être tout à l'heure il y en a un qui risquerait bien de me dégager un rétro si je suis pas des habitudes locales. Oh oui, parce que là ça frôle un peu la bordure de droite, donc on va faire ça comme ça. Il y a des fois il faut savoir se fondre dans la masse pour pas se faire surprendre. Eh oui, je vois une voiture dans le rétro là qui est en train de monter là en parallèle là sur sur ma gauche, voilà. Eh ben voilà. Ok. Bon ben s'ils prennent ça comme ça, il est 7h28. Ah ben c'est bon. Je risque pas d'être en retard pour embaucher à 8h. Bon, je suis plus très loin maintenant. Ouais non, ça va, mais c'est toi, ça y est, là, je vais attaquer la Bretagne de l'autoroute, tu vois. Je suis à la Bretagne d'accès là de. Voilà. J'ai quitté l'avocat de Bordelais, c'est pour l'autoroute. Ah, je suis trop fou. Voilà, donc, oui. Après, tout en fait, j'ai de trouver une place sur le parking. J'essaie de trouver une place sur le parking. Et après, ben, écoute, je te dirige vers le pharmacien. Ok, ouais, y a pas de problème, disons pas trop là-dessus. Ouais, ok, ça marche. Ouais, bon, ça va être une journée un petit peu longue, je pense. Parce que bon, je devine très bien pourquoi j'y vais. Bon, c'est un chantier, donc ok, j'ai compris. Je vois déjà le boulot que je vais avoir à faire. La journée va être un peu longue, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, y a pire, hein. Y a pire comme situation. Ah, il m'a semblé entendre gazouiller derrière, je sais pas. Alors attends que je regarde, non c'est bon. Eh ben c'est bien bouché là de ce côté-ci là sur Mérignac. Hein. Thank you.
Ah, ok, j'ai entendu le Roger Beep. Alors là, je suis complètement noyé dans les QRM et je suis en train de te perdre de plus en plus. Donc Daniel, merci pour ce petit QSO ce matin. Les bonnes 113-51 à toi. Bonne journée, parce que là, on touche à la fin. Là, je suis complètement noyé dans les QRM. J'arrive plus à te sortir. Et heureusement que tu as le Roger Beep enclenché. Allez Daniel, rue bonne 73 à toi. Passe une bonne journée et à plus tard. Ok, ouais, je t'ai sorti là, il n'y a pas de problème, bonne journée à toi. Putain, oui. Ouais, ils sont très loin. Lui, par contre, non. Le pion Médoc. Ah mais ils sont sacrément loin. Alors c'est à l'autre bout du département. Ça marche bien. Oui, si tu veux, je peux essayer, oui, pas de souci.
la Gironde, moi je suis carrément à l'autre bout. J'ai entendu une YL. Je sais pas pourquoi, j'ai tout de suite sauté sur le volume. Allez où? Ah, je crois qu'ils sont en train de s'éloigner, les mecs. Ah, ils sont en train de s'éloigner. Bon alors, s'il y a du monde sur les 40 canaux, il faut être à l'affût, tout simplement, à l'affût. Ah, c'est pas évident à les entendre. Voyons un peu plus haut. On a vu qu'il y avait du monde en AM. On a vu qu'il y avait du monde en FM. Là, en BLU, c'est pas gagné. Propague, elle est pas là. Enfin, du moins, pas à cette minute-là. Je dis ça comme ça parce que c'est trop tout à l'heure. Il va y avoir un bon coup de propague. Ça va passer de tous les côtés, comme le Brésil, tout ça. Et là, pour le moment, rien. Attention Gilles, attention 14 km 33-10 si je ne me trompe pas, pour 14 km 33-01 d'Andy 33, Rémi qui t'appelle depuis le QRA.
Ça module, ça module, ça module, mais trop loin. Attention Gilles, attention Gilles, 14 km 33-10, si je me trompe pas, Hachi, pour Dandy 33, Rémi, 14 km 33-01 qui te lance appel. Oui, je suis là. Oh putain, eh, t'es pas, tu passes bien quand même là au cuir. Passe de 38. Ok, attends, je regarde ça vite fait parce que c'est vrai que là de mon côté c'est un peu 27385. Ok, c'est parti pour moi. Ok, 27385, je suis là, je suis rendu. En USB, ça me gueulera moins. Je suis au QRA, j'ai le haut-parleur qui est face à moi. Autant dire que là, si je passe en FM, j'ai rien contre la FM. Hein. Mais si je passe en FM, là, ça va me gueuler d'un coup dans les oreilles. Pour le coup, je vais être sourd avant la fin de la soirée. Donc oui, je préfère en uniforme Sierra Bravo, en USB, il n'y a pas de problème. Ok, je suis là, t'es rendu. Oui, c'est petit, c'est moyen, c'est pas gros, c'est plus pas facile que c'est compliqué, mais ça va très bien de mon côté. Je t'entends très bien, il n'y a pas de souci. Achille. Non mais là, je suis en station fixe, là, Par contre, tu avais raison, le clarifier, c'est de la merde. On peut pas clarifier comme il faut. Hein. Comment ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, là, je... Comment ça, tu peux pas clarifier? Vas-y, dis-moi tout. Non, je parle du clarifieur du 6009, il est zéro pour clarifier précisément. Ah, le 6009, alors... Donc c'est, il est le 6009, c'est vrai qu'il est un petit peu particulier. Soit on l'utilise uniquement, on va dire, en local. Et là, là, c'est vrai qu'il est super, il a une belle gueule et tout. Mais du moment qu'on l'utilise en DX, comme là je t'aurais donné une fréquence en terminaison 0, ben, il aurait fallu que tu jongles avec le bouton push qui est le clarifier en même temps pour appuyer dessus, déplacer la virgule, déplacer le chiffre, reappuyer dessus pour rebasculer en clarifieur. C'est soit tu as le clarifieur, soit tu as le décalage en fréquence, mais pas les deux en même temps comme j'ai moi sur mon poste par exemple. Ok, voilà, là je suis en train de faire une petite vidéo, donc tu verras ce que ça donne. Ce sera un petit peu compliqué parce que la petite vidéo, eh bien, viendra se coller au bout de l'autre, déjà là que j'ai fait là aujourd'hui. je crois que là, il va falloir que je coupe, que je recoupe, que je re-recoupe, que je recoupe ce que j'ai déjà coupé, hachi, pour essayer de la faire maigrir un petit peu, quoi. Petit en signal. Ah tiens, de mon côté, je dirais que c'est du 46, hein, parce que bon, j'ai quand même un QRM de mon côté. Je t'ai mis quand même du confort là derrière. Donc, si je coupe tout, pour le coup, tu m'entends plus. Et non, j'ai 5 points de QRM en permanence là déjà là depuis quelque temps. Pas très longtemps d'ailleurs, donc je sais pas trop ce que c'est.
ce qui fait que forcément, ce qui passe en dessous, ben c'est mort. Ah, mais moi, j'en ai moins qu'avant, hein, depuis que j'ai passé le câble dans les combles, là. Ça a un petit peu atténué les QRM, mais c'est surtout le soir, vers, à partir des 19h-20h, que c'est... Ça dépend des jours. Le matin, c'est calme, par contre. Le matin, j'ai un signal de 3 en QRM. Oui, voilà, c'est ça. Bon, là, j'ai le filtre BHI, là, de DSP, là, qui est enclenché derrière. Tu sais, bah, tu connais, toi, hein, là, qui vient entre le poste et le haut-parleur. Donc là, j'ai l'ai enclenché. Bon, ça va un petit peu mieux, hein, mais bon, c'est pas, ça fait pas des miracles non plus. Mais bon, c'est, ça passe bien quand même, hein. C'est, moi, je me contente de ça, hein, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, alors attends, je vais faire un essai. Bouge pas. Voilà, là je suis qu'avec la puissance du poste. Comment ça va de ton côté? Je t'entends encore plus petit, mais je t'entends. Il n'y aurait pas les QRM, t'en aurais pas besoin. Mais malheureusement, mais je t'entends quand même. C'est plus petit. Ouais, donc si tu veux m'entendre correctement, j'intérêt à enclencher ce qu'il faut, quoi. C'est pratiquement incompréhensible, mais j'arrive à comprendre. Mais c'était mieux avant, c'est normal. Ouais, voilà, voilà, ok, voilà, je t'ai remis du confort. Voilà. Là, en même temps, ça permettra de montrer que, ben, même si on peut être contre plus de puissance, contre ceci, contre cela, eh ben, il y a des trucs contre lesquels, eh ben, on peut pas forcément lutter. Ou alors, faut qu'on s'achète tous des QRM Eliminator, par exemple, qui lui fera bien le nettoyage en profondeur derrière. Et là, ben là, ok, c'est sûr qu'on pourra plus facilement revenir à des puissances plus QRO, enfin plus QRP surtout. Et on devrait pouvoir trouver un petit filtre là pour mettre au cul du poste, je pense que ça atténuerait pas mal. On va en apprêter un, mais malheureusement il fonctionne pas. C'est dommage, mais je pense que ça pourra atténuer un peu. Hein. Oui, ben c'est ce que j'ai. C'est justement ce que je viens de dire. T'en as un qui est vraiment efficace, c'est QRM Eliminator. Bon, il doit coûter. Alors si tu le prends en kit, je crois qu'il tourne, je sais plus, autour de 15 ou 30 euros, je sais plus, en kit. Si tu le prends tout monté, bah, tu multiplies par 2, ça tourne autour des 60 euros dans ces eaux-là. Hein. D'après les prix que j'ai un peu vus là sur internet. Hein. Mais bon, lui il fait le travail, par contre il faut lui brancher dessus une deuxième antenne, ça peut être une filaire hein, par exemple, mis du côté de là où est la source de QRM. Certains, il faut que tu fasses un bidouillage avec le contact PTT du micro, d'autres plus récents ont directement le truc intégré dedans. Donc après, mais c'est vrai que là plus ça, plus j'y pense à ce filtre hein, là en ce moment. Alors, vu que je sais pas comment je suis, alors attends, ouais, d'accord, je vais gérer là de mon côté. Alors, que je, n'importe quoi, voilà, ok, je pense que j'y vois rien du tout, là, au QRA. Alors attends, je suis à combien, là? Ouais, ça devrait pas être mal. Ouais, je pense que là, ça devrait pas être mal. Ah oui, ça va, mais c'est vrai que c'est difficile à sortir.
Ben oui, hein, dans l'ordre, la BLU passera toujours mieux que les autres modes. Hein. C'est AMFM, ça se tient, hein, suivant le moment, suivant la propague, suivant le sens du vent. Donc l'AMFM, ouais, ça, c'est grosso modo pareil. Après, bon, effectivement, c'est beaucoup, la modulation est beaucoup plus claire en FM. Et là, tu verras, là, ça passe bien de mon côté, hein, vraiment. Hein. Et pour la portée, bah, de toute façon, il n'y a que la BLU. Il hein. n'y a pas photo. Hein. En question TOS, là, j'arrive à 2 en FM. Ah ben, c'est le vrai TOS que tu as alors. Donc là, t'es pas bon. Allez, remets-toi en USB si ça te dérange pas, je préfère en sécurité. Ok, ça marche. Je prends un peu là en FM, alors ça vient de là, je pense. Ben disons que en FM, c'est vraiment là où tu peux vraiment le juger du TOS. Hein. Donc là, ben tu sais ce que tu as au QRA comme TOS. Hein. Là, t'es pas bon. Maintenant, ça dépend comment tu as voulu régler l'antenne. Si tu as préféré régler davantage en sup plutôt que les 40 cadeaux, bon, ça peut s'expliquer aussi. Ben oui, j'ai fait les réglages dans les 40 cadeaux, comme tu dis, mais j'ai pas fait les réglages ailleurs. C'est pour ça que quand je vais en FM, je l'envoie un peu plus. C'est ce que j'ai. Attends. Non, je voulais dire, si tu as fait les réglages, n'importe quoi, non, je sais même plus ce que j'ai dit. Si tu as fait les réglages pour que ça soit bon sur les canaux supérieurs, évidemment, ça peut être normal que tu aies du TOS, enfin, c'est normal que tu aies du TOS sur les 40 canaux normaux. Mais vu l'antenne que tu as, quand même, au QRA, tu as une largeur de bande qui est beaucoup plus grande qu'en push. Donc, je sais pas, il y a à voir, je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. Attends. Bien souvent, et d'ailleurs Daniel Senteur 14 km 3306, oui je me trompe pas, lui justement il a eu le cas d'avoir une antenne, une 5/8, une Mantova 8 chez lui, qui est une très bonne antenne, hein, c'est excellente comme antenne, mais il a attrapé tous les QRM. Alors là, c'est en plus il est sur un secteur là-bas à Saint-Médard qui est franchement merdique, il a attrapé tout. Il a changé d'antenne pour prendre une demi-onde. Et là, là depuis, bon, c'est pas le Pérou, mais ça s'est quand même nettement amélioré. Là, il peut quand même faire des QSO, là, maintenant. Hein. Là, depuis qu'il a sa demi-onde. Eh oui, ben, je les ai pas mis, les radiants. Donc, si ça fonctionne comme ça et que j'ai moins de QRM, je vais pas aller les monter et être emmerdé après. Donc, je vais laisser comme ça. Ouais, donc il te faudrait un matcheur derrière pour histoire de maquiller un peu le TOS, quoi. Voilà. Mais bon, je vais m'équiper. Hein. Je fais mes petits trucs et puis je vais m'équiper dans ce que j'aurai besoin. Hein. Je vais y arriver. Ouais, ben, je te fais confiance. Bon allez, par contre là, il va falloir quand même que je me mette au boulot là sur le PC. Parce que bon, et au fait, putain, j'ai débouché vachement plus tôt aujourd'hui. Oh putain, cette surprise. Je m'attendais à débaucher, comme je te l'avais dit là, en message perso. Puis en fin de compte, tu vois, ça a été presque une heure et demie plus tôt. Hein. Ah mais ça fait du bien moi là. Alors, hier j'étais en formation SST à l'hôtel Mercure de Mérignac. Et on devait finir à 17h et on a fini à 15h, donc c'était pas mal. Ah oui, tu m'étonnes. Bon, ouais, là, faut que je me mette au boulot, hein, puis il faut que j'aille sur le forum, là, je vais m'occuper, là, du montage vidéo, là, d'aujourd'hui. Ça va me prendre un bon moment, ça va me prendre la soirée, c'est clair. Faut que j'aille, ouais, comme je disais tout à l'heure, faut que j'aille sur le forum. Sur le groupe Facebook, bon, j'ai pu y aller comme je voulais, de toute façon, là, toute la journée, donc ça a été nickel.
Puis en plus maintenant sur Facebook, comme sur le groupe identique que j'ai sur VK, je m'emmerde plus maintenant pour les publications. Je fais des partages. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Là, j'ai des partages de programmes, des partages n'importe quoi. Je fais des programmations. Putain, travailler en journée, ça me réussit pas, moi. Au secours. Hein. Donc là, maintenant, je fais plein de programmations. Et j'ai des programmations, là, de prête jusqu'à dimanche. Donc, ça peut se faire tout seul de ce côté-là. Je peux ne pas être là du tout, que ça se fera quand même, quoi. Donc là, de ce côté-là, je suis déjà tranquille. Je suis trois coups. Mais bon, là, je vais quand même... mais bon, le forum, par contre, là, je peux pas faire de programmation dessus, c'est pas possible. Et puis bon, bah, y a des membres, hein, quand même. Il est beaucoup plus actif que le groupe Facebook, hein, le forum. Hein. Donc, faut que j'aille quand même voir les messages, répondre, ceci, cela, participer, quoi, tout simplement. Hein. Et puis voir pour trouver aussi de nouveaux trucs. C'est comme là dernièrement j'ai mis là de nouvelles antennes là dedans. J'ai trouvé là un nouveau poste aussi dont j'ai fait une fiche sur le forum. J'y ai mis quelques accessoires aussi, donc ça permet de renouveler un petit peu là, et ainsi de suite. Donc ouais, je vais pas me faire plus long. 17h40, ouais, c'est déjà pas mal. Donc je vais te laisser, merci pour ce petit QSO, je me mets de suite au travail, bye bye, à plus. Ok Rémi, ça m'a fait plaisir de t'avoir en QRA, ça fait longtemps que j'espérais, mais je suis content. Voilà, mais la prochaine fois on essaiera de faire beaucoup mieux et on y parviendra. Ok, bonne soirée, bon pro et au plaisir, merci. Pendant que j'y pense... s'il n'y a pas de changement dans mon planning, demain soir 18h, je devrais pouvoir être sur le canal 32, c'est-à-dire 27-325. Ouais, canal 32, à partir de 18h. Je devrais pouvoir y être. Donc, si tu te promènes dans le quartier, ben, ça peut être, on peut faire un QSO. Allez, je te laisse. Bye, à plus. Merci. Hey, j'ai bossé comme un acharné aujourd'hui. j'ai bossé comme un esclave aujourd'hui. Hachi trois coups. Je pars attaquer après la nuit. Non, normalement demain je suis en repos. Je reprends après tout le week-end. Hey, je te laisse. Merci. Bye. Ok, merci Rémi. À bientôt. Bon week-end. Ok, toi aussi. Attention, on peut faire 100 dégâts, si ça peut.